sur Affleck tel Innocence. Alors, pour ceux qui se demandent, il n'y a pas marqué normalement dans le titre de la vidéo, il n'y a jamais marqué Innocence. C'est tout simplement parce que, étant donné que j'ai appris la sortie de Requiem, qui est donc le deuxième opus, eh ben, je me suis dit qu'il y allait les numéroter pour éviter d'avoir de l'accumulation de noms ultra longs, parce que The Suicide of Rachel Foster, essayez de mettre avec tout le truc complet, c'est-à-dire Soirée de l'horreur, The Suicide of Rachel Foster, épisode 1 FR, c'est très long, c'est très très long comme titre. Donc rappelez-vous ce jeu qui traite d'une période française très très cool, hein. Donc les étrangers. Hein, je me suis un peu tout en hauteur. Codex. Les épices. La fin. Ah oui, ils ont pensé à mettre. Oui, d'accord, ok. Amicia et son jeune frère Hugo ont perdu toute leur famille dans une attaque menée par l'Inquisition. Pour capturer le garçon, Amicia connaît à peine Hugo, qui a grandi coupé du monde à cause d'un mal étrange. Elle doit désormais l'accompagner chez Laurentius, un médecin qui le traitait. Imagine, t'as la peste au cul et t'as un gamin qui est atteint d'une maladie très étrange et rare, qui mine de rien est pas ce qu'il y a de plus. Pas ce qu'il y a de plus cool, hein. Marche, je connais plus de maladie qui soit cool. Ah si, j'avais un pote qui m'a dit que c'était trop classe la vitiligo. Ok. Bon. Amicia, pourquoi ils veulent nous attraper? Je sais pas. Je peux pas y penser maintenant. On dira à Laurentius qui nous amène voir papa et maman? Oui. On fera ça. Et c'est en français. Il va peut-être transformer en oie et en animaux de ferme. Est-ce que par hasard une femme nommée Circé serait venue ici il n'y a pas longtemps? C'est un peu... En fait, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a très peu ça dans le jeu vidéo. C'est compliqué les déplacements de personnages quand tu tiens un autre personnage. Regardez comment c'est rigide un peu. Ça a toujours été compliqué. C'est mine de rien, c'est courageux de la part des développeurs d'avoir organisé ça. Vraiment très grand. Ils vont rien te faire. C'est quoi ces bruits? Ils sont malades? Ils se dégagent les naseaux. Allez, on doit y aller. En fait, j'étais un cheval dans une autre vie, c'est pour ça que j'avais pas mis. C'est pour ça. Faut demander à. Faut dire à Psychodélique peut-être qu'il est dans une autre vie. C'était un cheval aussi. Ah, des pommes. Hugo, c'est pas le moment. Mais ne touche pas. Tout est pourri. Mais j'ai faim. Comment mais tu mais peux penser pourri. À manger? Mais j'ai faim. Oui, mais c'est pourri. Mais en fait, tout est pourri. Ok, il y a un truc chelou. Tout est pourri. Après, les poules n'ont pas pourri. Il y a une furman qui fait un coup. Hein. Un petit feu. Sur une brochette. Je vois de la fumée. Il doit y avoir du monde. Ou alors, il y a le feu. Au choix. Ça, c'est un peu... J'ai l'impression de voir un peu de l'architecture. Des trucs qu'on pourrait trouver... À Saint-Denis, s'il vous plaît. Attendez, madame. Qu'est-ce qui leur arrive? Elles ont eu peur. S'il vous plaît, je suis la fille du seigneur Robert de Rune. Nous avons été attaqués. Nous avons besoin d'aide. S'il vous plaît, il fait froid. Il y a quelqu'un? Je suis avec mon petit frère. Il y a eu une attaque au domaine de Rune. Aidez-nous, par pitié. On est mouillés et on a faim. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Bonne question. Il y a quelqu'un? Nous avons besoin d'aide. Personne ne veut nous ouvrir. Qu'est-ce qu'ils ont tous? S'il vous plaît, quelqu'un pourrait nous aider? Allez-vous-en! Mais je suis la fille de votre seigneur! En France, c'est pas forcément toujours une bonne chose. C'est pas vrai! Ils se cachent! La question, c'est ils se cachent de quoi? On a trop attendu! Il faut qu'on parte d'ici, je te dis!
Mais pour aller où? Il y a quelqu'un. On viendra plus tard, quand ça ira mieux. On sera mort avant que les choses aillent mieux. Ça suffit. Je veux plus en parler. Oh, regarde, des dessins sur les portes. Oula, alors ça, c'est pas des bonnes idées. Alors ça, c'est ce qu'on faisait quand il y avait des épidémies. C'est pas une bonne idée. Quand il y a des croix, c'est que c'est foutu dedans. Reviens. Ça veut dire qu'il y a des gens malades dans ces maisons. Voilà. Ne touche merci, à rien. Ah, ils ont pas le droit de sortir. C'est plus grave que ça. Ça veut dire qu'on peut attraper leur maladie. Alors arrête de courir partout. Oui, pardon. Il connaît pas le monde. Le mec, il a vécu dans sa chambre jusqu'à ses 5 ans. Le village est contaminé. C'est pour ça qu'il se cache. Le problème, c'est que c'est pas une bonne idée. Oh, ça sent la viande grillée. C'est une fête? Je crois pas que ça soit du poulet. Ça ressemble pas à une fête. Oh mon Dieu. Ok. La sorcellerie? Hé! Hey, je vous en supplie! Aidez-moi! Regardez qui voilà. C'est le reste de la bande. Quoi? Non! Attendez, nous sommes à la recherche de quelqu'un. Eh ben, vous l'avez trouvé. C'est votre musique infernale qui l'a fait sortir, hein? Cette sale vermine qui envahit notre église. Ce fléau qui attaque nos enfants dans leur lit et qui leur inflige le mal noir. Mal noir, c'est mais vous êtes tombé sur Conrad Malfort. Et je vous le dis, c'est le dernier village que vous infectez. Amicia! Viens vite! Qu'est-ce qui se passe, Amicia? Par le parcours! Mais pourquoi ils sont en colère? Ils vont nous brûler. Parce que ta gueule est courte. Ils sont bien organisés, hein, pour le village. Faut qu'on se cache, Amicia! Et toi? Ici, à l'intérieur, vite! C'est calme ici. Il va nous voir. Ne bouge pas. J'ai plus qu'à attendre. Attends. Qu'il se pointe. Je pourrais pas les rater. C'était quoi ce bruit? Allez. Allez. Chose ici. C'est quoi ce machin? On l'a bien eu. Vous voilà. Ah, pas par là. Où est-ce qu'on va? Hugo, pas par là. Cours aussi vite que tu peux. Là, le mur. Ils arrivent. Vite, vite. On n'aurait jamais dû venir ici. Pourquoi ils font ça? Ils pensent qu'on a amené le mal chez eux. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. Ouais, ça peut bien. Diriger tout ça. On peut grimper dessus maintenant. Ça a l'air fragile. Mais ça va faire du bruit, non? T'as une meilleure idée, peut-être? Aide-moi à pousser. D'accord. Ah, il faut reculer et charger? Ah! Je suis con. On va pousser ça.
en fait, on aurait plutôt tirer ça. Eh ben, c'est là! Oh! Aide-moi à pousser! Oui, oui. Vous êtes sérieux? Oh, bon, voilà, putain, c'est pas. Monte! Je vais t'aider! Oui. On s'en est sorti. On va partir d'ici alors? S'il nous retrouve pas d'ici là. Mais. T'as la fronde! Tu peux nous protéger. C'est pas si facile, Hugo. Oh. Là, il va y falloir plus qu'une fronde, c'est ça. Des étrangers. Oh non. Vite, vite. Michel, vas-y, grimpe, passe devant. Elle a pas l'air solide, Amicia. On n'a pas le temps, ils arrivent. Elle va casser. Non. Je te l'avais dit. Hugo, où est-ce que tu vas? Me laisse pas ici. Amicia, viens, sur le côté. Oh, tu es là. J'ai trouvé ça pour que tu montes. Bonne idée, je vais la faire tomber. Fais attention. Désolée pour l'échelle. C'est de ma faute. Tu avais raison. On doit rentrer à la maison. Non, non, c'est pas jouable. Pas sans Laurentius. Amicia, cachons-nous. Alors, ils sont passés où? Conrad, on a encerclé le quartier. Ils étaient juste là, il y a 5 minutes. Vous encerclez un quartier à vous deux? C'est quoi cette blague? Appelez les autres et bloquez-moi ces ruelles. Si j'attrape ces deux marmots, je vais les renvoyer. Conrad a perdu la tête depuis que son fils est mort. On brûle des innocents, on fait la chasse à des gamins, alors que le fléau ravage le village. Tu trouves ça normal, une fillette et un enfant ici par les temps qui courent? Sûr qu'ils sont sortis de l'église, avec le reste de cette pourriture. C'est bon à dire. Hein? Ils sont pas d'ici, t'as vu leur fringue? Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Père Noël. Rien du tout. Oh non, encore eux! C'est par où? Je sais pas! Pour l'instant, c'est tout droit. Y'a aucune issue! Là! Oh non! Vite, s'il te plaît! J'essaie. Allez, on va. Ça va pas les retenir longtemps. Vite, vite. Ils savent qu'on est là. Non, elle est bloquée. Hugo, passe par là. Ouvre-moi. D'accord. Allez, bonne chance, gamin. Vous foutez tous ici. Ils ont planté une planche. Dans la maison. Tu peux l'enlever? Fais vite. Vite, Hugo, je t'en supplie. Hugo, il est là. J'arrive. Hugo, fais quelque chose. Non. Je dois m'arrêter, Amicia. Continue, Hugo. Encore un tout petit effort. C'est pas la vie, c'est pas bien. Une impasse. Par ici, vite. Vous n'avez rien à craindre. Entrez. Chut, Seigneur, c'est le coin le plus infecté du village. Ils sont où? Oh, on dira à Conrad qu'on les a perdus. Restons pas ici.
Chut. Calmez-vous, c'est fini. Ils ne viendront pas vous chercher ici. Merci, madame. Oh, vous êtes trompé. Allez voir à l'étage. C'est la laitière. Il y a des habits pour vous dans un coffre. Vous êtes sûr? Merci. Prendre des vêtements dans le coffre de l'étage. C'est quoi ça? De l'encens. Ça sent la maison. Mère utilise elle-même. C'est mieux. Et toi? On doit aller chercher maman, Amicia. Non, pas encore. Elle nous a dit de trouver Laurentius. Mais c'est bête. On va se faire attraper. Hugo, on fera ce qu'elle a dit. Ne discute pas. Hugo, attends. C'est la bonne taille, on dirait. C'était à mes petits-enfants. Oh. Je m'appelle Clairvy. Moi, c'est. Ouais, attendez-vous au nom un peu chelou. Hein, dis merci, Hugo. Merci. Clairvy, qu'est-ce qui se passe ici? Le fléau. Des morts, beaucoup de morts. Et les survivants en sont. Mais où sont vos parents? À la maison. Ils nous attendent. Nous cherchons un docteur. Laurentius. Un docteur? Eh bien, un homme est venu aider à l'hospice au début. Les moines pourraient vous en dire plus, mais... Mais quoi? Ça fait plusieurs jours qu'on ne les a pas vus. Plus personne n'ose s'approcher de l'église. Nous n'avons pas le choix. Nous devons aller voir. Alors vous mourrez. Mais plus personne n'écoute la vieille Clairvy, alors... Tiens, je vois que tu as une fronde. Tu vas en avoir besoin, mais pas dans cet état-là. Dans l'arrière-cour, il y a des lanières de cuir neuf. Tu pourras utiliser l'établi dans la pièce d'à côté pour la réparer. Merci, c'est très gentil. C'est vrai qu'une fronde d'utilisation... Si tu veux, tu peux utiliser les outils à côté de l'atelier. Bien, j'ai les outils. Il manque plus que le cuir. Non, c'est le cuir. Ah, c'est là. Voilà le cuir. Bon, au travail maintenant. Cuir, donc elle est tétaneuse en fait. Allez, applique-toi, Amicia. C'est mieux. Avec de bons matériaux comme cela, je pourrais l'améliorer encore. On est vraiment parti sur un. On est à un stade en fait où l'arme à améliorer est une fronde. Tu m'aurais dit une arbalète ou un truc comme ça, ouais, mais une fronde. Parfait. Il faut que j'aille remercier Clairvy. Ah. Alors? C'est bien mieux. Merci, Clairvy. Merci pour tout. Après, c'est portatif, c'est facile à planquer. Je sais que vous les avez perdus. Ouais. Ils font pas de vieux, ça aussi, tu peux m'en aider. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Lâche ce maillet! T'es idiot ou quoi? Je suis pas idiot! Ne crie pas! Les enfants! Ne faites pas de bruit! Je veux voir maman! Tais-toi! Ta gueule! Tu vas nous faire tuer! Sans... Maman, elle nous protégerait! Ça suffit! De que dalle! Je veux voir maman! Maman est morte, Hugo! Tu la reverras jamais! Papa non plus. Amicia. Tu mens. Ah, les pipes recouvertes de sang qui a traversé la porte. Tous les deux. Alors tais-toi. Menteuse, je déteste. Arrêtez. Hugo, non. Hugo, attends. Ne sors pas, tu es fou. Je vais le tuer moi-même. Hugo, reviens. Espèce de sale petit. Oh, c'est pas vrai.
non, il va nous faire tuer. Franchement, laisse-le à ce stade. Non, je t'en supplie. Je suis désolée, arrête-toi. À un moment donné, je sais pas, il a pas vu l'épée traverser la porte, mon sang. Mon Dieu. Oh Seigneur. Hugo. J'aurais pas dû crier. S'il te plaît, écoute-moi. Non, laisse-moi. Je suis désolée. C'est là que t'étais. Non, attendez, on peut juste s'en aller. Tu vas partir, hein, et tu reviendras. S'il vous plaît, non. Je voulais pas. Espèce de sale petit connard, vas-y. Hugo, j'arrive. Putain, mais je... Faites qu'il soit encore en vie. Faites qu'il soit encore en vie. Hugo. Stade, s'il meurt, c'est pas grave. Arrête de gigoter. On attend juste ta sœur. Oh mon... Amicia! Amicia! Moi, tu ne m'enterreras pas. Je vais commencer par toi. Pauvre idiote. Cette armure va arrêter bien des épées. Ah, il doit y avoir moyen de faire sauter son armure. T'es rapide. Mais il suffit d'un coup. Rapide, je vois. Pitié, je veux pas. Laissez-nous partir. Trop tard. Laissez-la tranquille. Ta gueule, toi. Et bonne toi que je n'arrive pas. Tu peux pas fuir. Crois-moi, je vais t'avoir. Je vois. Tu as ça en toi. Viens, ça va m'aider. Je vais pas... Je vais te montrer ce que c'est de perdre ce qu'on aime. Parce que elle, ta mère, elle l'a pas perdu, ce nain. C'est ça. Continue. Seul l'un de nous va mourir. Le vainqueur. Oh. Mais bon. Amicia. Ta gueule. Sérieusement, ta gueule. Tu l'as tué. À cause de qui? Le match est fini derrière, je pense que c'est ça. Le match est fini. Châtiment. Deux secondes. Regarde, Amicia. Oui, j'arrive. Ah, là, je suis de retour, désolé. Waouh. C'est vrai que toi, t'as jamais pourquoi vu il y a des bougies? Les bougies, c'est pour montrer que tu penses à des gens. Oh. Ouais. Je peux en allumer une? Si tu veux. Mais attention à pas te brûler. Merci. Tu sais comment on allume une bougie? En train de réfléchir là. Il sait comment on allume une bougie, le gamin? Pour papa et maman. Veillez sur eux.
Bah déjà veillez sur vous, ça serait bien. C'est drôle les voix ici. Oui, c'est l'écho. Eh oh Hugo, il y a peut-être des gens ici. Oh. Soufre, ça va m'être utile ça pour repousser. Ah non, ça c'est quand il y a des démons, il y a du soufre. Bah ça me sera pas très utile. Hein. Oh, il y a des vitraux. Évidemment. Tiens, c'est bizarre ça, illuminé par la lumière céleste. Et vous voyez, c'est un peu bizarre. De l'alcool pour se bourrer la gueule, ça sera pratique. Pardonnez-moi pour le mal que je viens de faire. Je n'ai jamais... Amicia, tu me sers trop fort. Désolée. Marie, c'est le moment d'envoyer un message. C'est quand tu veux. Parce que je pense que c'est la Vierge Marie. Je sais pas qui ça peut être, ça, par contre. Généralement, quand il y a les auréoles, c'est des saints, ça pourrait être Jésus, mais je saurais même pas dire. Le soleil représenté. Je saurais pas dire, la représentation ne me dit rien. C'est pas Jésus, ça. C'est pas Dieu, ça pourrait être un roi, mais... C'est bizarre, par contre, j'avais jamais vu avec une sorte d'auréole rougeoyante derrière, enfin rouge. Ça ressemble plus à un soleil rouge alors qu'il y a derrière lui, mais j'avais jamais vu ça. Oh, un collier. C'est un chapelet. Ça sert à quoi? À prier. Je peux parler à maman et papa avec ça? J'ai cru qu'elle allait dire que ça repoussait le mal. Oh Marie, si tu savais à quel point ce gamin me fout dans la merde. Genre d'un coup il s'est redressé quoi, il y a deux secondes il me cassait une barricade. C'est quoi? C'est pour empêcher quelqu'un d'entrer ou de sortir. Plutôt de sortir. Du coup c'est quoi le plan? Parce que bon... Hey, t'as vu? Il y a une fenêtre cassée et une échelle. C'est... Monte. Elle va pas casser celle-là, hein? Non, Hugo, ça va aller. Donc c'est par là qu'ils se sont échappés, les gens qui avaient entendu dans les... Il y a quelqu'un. Les enfants, qu'est-ce que vous faites là? Mon père, on a besoin d'aide. Partez, c'est dangereux. Vous n'avez rien à faire là. Attendez, s'il vous plaît, c'est important. On doit aller lui parler. Bah moi je veux bien, mais bon... L'abbé Pierre, il a pas l'air d'être... Où est Laurentius? Il faut que ce soit lui, il le faut. Oh, ils ont tout cassé. Ah merde, ça devait être des hôpitaux. Peut-être qu'ils bricolent des lits plus grands. Je ne pense pas, non. Je pense plutôt qu'ils faisaient plus de lits pour ceux qui étaient atteints de maladie. Les tissus. Je connais cette odeur. Ça sent les herbes médicinales. Les moines ont dû les mettre dans l'eau pour se purifier. Mère faisait pareil. Et genre, ça marche? Beaucoup d'alcool ici. C'est quoi? C'est des bains d'éthanol 90? Mais bon. Mais non, on va pas t'en arrêter. C'est bien, on a découvert une nouvelle ville. On sait que des gens veulent notre mort, mais ça c'est pas nouveau. Une salpêtre. À moins qu'elle veuille faire des bombes. Des fleurs. Elles sont belles. C'est des œillets. J'en avais dans mon herbier. Mais ceux-là sont plus beaux. Hugo, il faut qu'on continue. Attends, attends, viens. Qu'est-ce que tu... C'est pour te protéger. Et puis, c'est joli. Oh, d'accord. On peut y aller maintenant. Merci, Hugo. De rien.
Mais ça protège ça de les œillets. Ouais, il y a des ressources, cool. Ouais, tout ça c'est pour le. C'est dommage qu'il n'y ait pas. J'espère qu'elle aura une autre arme. C'est forcément le truc le plus. C'est assez demi. Alors là, une précision presque divine à la fronde, faut pas déconner. Mon père. Ah oui, souvent il se rasait la tête. Je au-dessus. Corvo, je vous ai dit de partir. Un instant, s'il vous plaît. Vous êtes inconscient. Partez tant que vous le pouvez. Je vous en supplie. Quelqu'un doit nous aider. Faites-le au moins pour lui. Les armes de Robert de Rune. Nous sommes ses enfants. Nous cherchons Laurentius, le docteur. Vous le connaissez ? Oui, bien sûr. Je sais qu'il s'occupait de votre famille. Il m'a parlé de toi. Je suis le père Thomas. Votre présence ici n'est pas bon signe. L'Inquisition. Ils sont venus chez nous et... Mais ce qui se passe ici est bien pire encore. Que l'Inquisition ? Vous devez partir au plus vite. Ou vous mourrez. Mais, mon père, les gens du village ont voulu nous tuer. Oh, les fous. Oh, Laurentius, non. Je ne peux pas quitter l'église, mais une sortie. Par la crypte des Trois Saints, il y a peut-être un moyen. Je vais vous mettre sur le chemin de la ferme de Laurentius. Mais après ça, vous serez dans les mains du Tout-Puissant. Il fait ce qu'il peut, quoi. Il est malade. Ça a l'air calme pour le moment. Venez. Il doit être atteint de la mort noire. Ou alors il boite parce qu'il a une blessure. Quoi qu'il arrive, restez bien dans la lumière. Mon père, il va lui arriver un truc à lui. Les portes marquées d'une croix dans le village. De quel mal s'agit-il ? Ça a commencé par des morsures, la nuit. Puis, la maladie s'est propagée, d'abord dans les familles et chez tout le monde. La fièvre, les bubons, les gens ont commencé à mourir. La peste bubonique. Quand on a compris d'où ça venait... C'est doux. Le niveau de détail... déjà trop tard. Et enfin, je sais pas si on dessinait la mort. Ça venait d'où ? Nous approchons. Frère Morel doit être ici. Nous sommes les deux derniers. Deux derniers mois. Frère Morel ? Il est mort. Restez ici. Il est mort. Bon, on a trouvé la personne qui va sauver la flamme olympique. Frère Morel. Mais qu'est-ce que tu as ? C'est lui qui a un truc. C'est obvious. C'est pas possible, c'est un cauchemar. On doit retourner dehors, Amicia.
Je sais. Avance. Un moine. Un moine. L'autre frère. C'est bon, on va devoir escalader ça. Je dois poser la torche. S'il te plaît. Du calme. Il y a un support. On aura encore de la lumière. Oui, mais après. On trouvera bien. Non, non, il n'y a pas d'on trouvera bien. Je ne comprends pas comment brûler du feu. Il nous faut du feu. Le bois va brûler vite. Ne traînons pas. Ils se cherchent le pire, il faut voir du Christ, tout ça. Ça a jamais fonctionné, cette merde. Hein. Le truc, il faut voir du Christ, vous oblige. Alors, c'est ça leur fléau. Terra. Le père a parlé d'une issue. Par la crypte. Amicia, les trois statues. La crypte des trois saints. C'est la sortie dont parlait le père. Il faut tenter un autre chemin. C'est pas mal, hein. Oui. Mais ça craint. J'ai pas compris. Ah, tiens. Abbé Pierre, c'est vous ? Et là, ils sont du genre à réagir bien méchamment. Là-haut, Amicia ! Je dois pouvoir le faire tomber. Ah, pas con. Pas con, le gamin. Ah non, avec ça ? Ne regarde pas, Hugo. Ah ouais, genre quand on dit manger à ce stade, c'est comme les chats, quoi. Ça nettoie, c'est pas là, ça. Vous pouvez pas prendre un truc en bois, bordel. Ça rigolait pas la peste, hein, à l'époque. Hein. J'imagine que certains aient parlé de malédiction. Imagine, tu vois ça à l'époque. Franchement, c'est pas réaliste. C'est pas vrai. Et tu vois ça. Passe devant. On est d'accord que, de rien, tu commences à croire en la malédiction divine ou un truc comme ça. Et les rats, ça grimpe au bois. Pas forcément plus en sécurité, là. Normalement, il devrait monter. Normalement, là, on est baisé. En théorie, normalement, c'est comme ça. On devrait être baisé, là. Parce que les rats, ça grimpe. Ça monte, hein. Ok, mais je fais pas mon manière arriver là. C'est mignon maman, mais hop là. Je suis censé faire quoi? J'ai pas balancé de l'alcool. Remarque, ça peut marcher, hein. Tu mets un chiffon dedans, cocktail Molotov, version Manu France. De l'époque médiévale. Ah, ok. Bon, on va passer en même temps. Alors soit elle est très intelligente, soit elle est très chanceuse. Je passe devant. D'accord. Ils font trop de bruit. Trop de bruit. Hugo, calme-toi. Des rats, quoi. Du coup, tu comprends un peu mieux le côté malédiction. Genre, il disait, oui, c'est vous qui avez apporté le mal. Oui, quand tu vois ça, tu peux croire en une malédiction, oui. Courir, c'est même bon. Sors. Codex. Conçu à partir de matériaux simples, les colliers servent de guide à la prière. Extrêmement répandus, ils témoignent du rôle incontournable de leur. Ta gueule. Désolé. De la religion au sein de la société française. La religion promet aux croyants le salut de leur âme, fournit les hôpitaux. Alors, je sais plus comment on appelait ça à l'époque. C'était pas les écoles. Je sais plus comment on appelait ça. Mais oui, c'est vrai, ça se faisait, mais j'ai oublié comment on appelle ça. Désolé, mémoire de merde, tout ça, tout ça.
Les premiers aux croyants essaient de leur âme fournie, les hôpitaux humiliés, héritent. Dans les cas les plus graves, les excommuniés leur retirent leur droit à la foi et les isolent de la communauté. Très intéressant, mine de rien. Pas de rats. Vous êtes ? Oh non ! Dans la lumière, non ! Dans la lumière, vite ! Je vois pas de torche. Comment on va faire ? Sale tête. Il y a moyen de faire une explosion. Ok. Ça a l'air de les occuper. T'es sûr ? Un autre jambon, ça devrait aller. D'accord, soyons prudents. Mais c'est quoi, il y a... Ah, ok, j'ai pas compris, je me demandais la musique, c'est quoi? C'est par rapport au joueur de flûte, c'est ça? Le rappel? Parce que, vous savez, il y a le fameux joueur de flûte, je sais pas si vous connaissez ce conte, le joueur de flûte qui, en gros... un jour, je sais pas moi, un comté, une bourgade, ce que vous voulez, qui était victime en fait d'une invasion de rats. Et un jour, un joueur de flûte fit son apparition et promit au roi et au peuple, enfin, il promit au peuple de les sauver si il le faisait roi. C'était la promesse. Le joueur de flûte débarrasse la ville des rats et les rats font de, enfin, pas un roi, mais un comte, un duc, vous voyez ce que je veux dire quoi, le nouveau seigneur. Sauf que, eh ben quand le joueur de flûte s'est débarrassé des rats, les gens, ils n'ont pas respecté leur parole. Du coup, le joueur de flûte, ce qu'il a fait, il n'a pas balancé une épidémie de rats. Hein. Il a joué de la musique, il a attiré tous les enfants de la ville vers lui, les emmenés dans la forêt, il est parti avec. Perso, j'aurais fait comme ça, en fait, moi, j'aurais fait déferler une vague de rats dans les villes, les tuant tous, mais... Pour rester, je veux dire, propre à l'idée de se manger, sinon je vois pas. À part leur envoyer les rats, mais leur envoyer les rats, c'est les tuer, quoi. Oh, j'ai une idée, peut-être. Non, allez-y. Faut que j'arrête d'avoir des idées. Par là, on sera à l'abri. Encore une fois, les rats, ça grimpe. Pas tomber, pas tomber. On va pas tomber. Tiens bien ma main. Heureusement que tout le monde accroche les jambons à côté des croix. Heureusement. C'est ça que tu vois. Tu prends un jambon de truc. Un jambon de haut. Pas. La voilà. Torche. Il y a un trou dans la grille. Je vais soulever ça. Tu peux prendre la torche. Oui. Voilà. Allez, mon grand, prends-toi. Ah, ah, c'est lourd. Hugo, fais vite. J'ai mal au cou, Hugo, bouge-toi. Tuer, le sol est pourri. Amicia, comment je vais revenir? On va trouver, ne panique pas. Avec la torche, tu ne crains rien. Oui, mais toi alors? On va avancer ensemble. C'est ce que j'allais me dire. Comme ça, la lumière me protégera aussi à travers la grille. D'accord? D'accord. Voilà, on y va, doucement. Mais je crois pas qu'ils craignent la lumière. C'est la flamme qui craigne. Sinon, ils seraient pas dehors. Regarde, il y a un trou là. Tu veux la torche? Oui, il y a trop de rats de mon côté.
Et moi, je passe par où? Le trou derrière toi. C'est la seule issue que je vois. Bonne chance. Passe par là et je te rejoins de l'autre côté. T'es sûr? Si tu vois des rats, tu t'arrêtes. J'arrive tout de suite. D'accord, mais tu fais vite. Reculez, démon. Ah ouais, ça brûle. C'est vraiment démoniaque. C'est genre ça brûle. Moi je croyais que c'était le joueur de flûte en gros qui avait réussi son coup. Oh non, ça brûle. Non, rigolez pas, ça brûle littéralement. Tu avais raison, faut voir du Christ, c'est ça. Approchez, démon. J'ai une torche. Une queue de cheval en natte. Ils sont tellement pas histoires. Pourquoi ils n'ont pas fini en fait? Pourquoi ils ont mis ces deux frères? Pourquoi vous avez pas fini? Ok. Éteignez le feu. Et pourquoi vous faites ça au lieu de vous attaquer à des gosses, bande de cons? C'est les rats. Il y en a beaucoup effectivement, mais si vous vous unissez, ça peut le faire avec des torches. Vous pouvez cramer toute cette vermine. Les mecs dans leur tête. Ah mais on va tuer des enfants, c'est mieux. Enfin ça sert à rien, ça revient après. Ah oui, je suis obligé de poser ça, fichier. Tu peux pas juste. Après tu la récupères quoi. C'est pas impossible. Vous allez pas me dire que genre là, c'est insaisissable la torche. C'est n'importe quoi. Il faut que je me dépêche. Hugo, qu'est-ce qui se passe? Il y a des rats. Hugo, parle-moi. Allez, allez. Ah, il va falloir l'enfermer, c'est ça. Là c'est Game of... Ah là. Hugo, j'arrive mon grand. Fais confiance à ta grande sœur. Vous êtes la trine. Ah ils sont morts meilleurs vent. Hein. Mais mets un bout de tissu autour, moi je sais pas. D'un moment. Là-haut. Hugo, ça va? Il y avait des rats. J'ai été vers la lumière. Ils t'ont mordu. C'est bien. Reste juste reste près de la lumière. Je vais t'ouvrir le passage. On va te descendre de là. Okay. Calme-toi, Amicia. Hugo va bien. Tu vas bien. Reste concentré. C'est juste un milliard, il bougera. Tout va bien. Tout va bien. Le pouvoir du... Bah du coup, le Christ, ça marche pas, donc on va rester sur une idée de pouvoir du feu. Hugo, je dois le faire descendre. Ah! Mais j'ai cru que je pouvais partir, c'est bon? Non, à la base, j'ai cru qu'il y avait un truc à ramasser. Mais mine de rien, le truc, c'est pas aussi puissant. Bon. Bâton. L'autre, il est là maintenant, un peu plus. Ces brindilles brûlent trop vite. Je ne pourrais pas les repousser assez longtemps. Attends, j'ai quelque chose pour toi. Parfait, merci. Bien joué, gamin. Ça, c'est l'avenir de la France.
Ça, c'est l'avenir de la France. C'est bon, tu peux descendre. Ouais, descends pas trop non plus quand même. Désolée, j'aurais pas dû te laisser tout seul. C'était trop risqué. C'est pas grave. Regarde, regarde Hugo, regarde-moi Terra. Tu vois, un peu de feu et c'est réglé, regarde. Tu vois? Faut avoir peur. Tu veux te retourner là-bas, c'est ça? C'est beau, alors le problème c'est par contre la transition, je te fais confiance et je te fais... C'est... En fait, le problème qu'il y a c'est que c'est trop rapide le délire de tu mens, je te crois pas, etc. C'est beaucoup trop rapide. Et le délire de c'est bon, je te fais confiance, c'est aussi beaucoup trop rapide. Je me plaignais pour le souci de Rachel Foster, ça allait trop lentement, là ça va un peu trop vite sur ça en tout cas. Seul reproche que j'ai pour l'instant, c'est ça. Ça va trop vite sur ce point. Que des gens laissent des établis dans les rues. C'est, je suis désolé, hein, c'est le premier truc qui me vient. Ça, c'est bien ça. Ça, ça va me simplifier la vie. Oui, j'espère, j'ose espérer. Je vais t'aider. Franchement, si les trois saints repoussent les trucs là, c'est que c'est plus fort que Jésus. Hein. Oh, c'est quoi cette chose par terre? T'es sûr qu'on doit passer par là? Oui. On est arrivé jusqu'ici, on va s'en sortir. Reste bien près de moi. Ouais, t'inquiète, le pouvoir du feu, le diable nous protégera. À ce stade, c'est ça, hein. Qu'est-ce que c'est que ces baignures au sol? Mais c'est quoi sur les murs? On est d'accord. Je sais pas. C'est Alien, le retour. C'est eux qui ont fait ça. Tu crois? Oui. Les rats, ouais. Ça fait pas ça. On est dans leur nid. Ils vont être encore plus en colère alors. J'avance comment par contre? On fait du bois. Voilà. Heureusement qu'ils ont pas rongé les bâtons de bois bien attachés avec une corde blanche. Peut-être que Ratatouille a fait sa révolution et ils ont dit on paye pas assez les rangs. Les murs. C'est pas peur. Ça brûle la gorge. Ça doit être du miasme. Alors là, ça va être un film. Les enfants, je suis désolé, mais là, ça va être un film. Là-bas, de la lumière. On y est. On y est, Hugo. Ouais, tu parles couramment le rat? Mais vous restez pas là la dernière fois, ils ont creusé des trous pour choper les gens. On a réussi. Amicia, je veux voir maman. Bah y'a aucun moyen, hein. Tu descends en bas, tu vas la voir. Hein. Je veux pas qu'elle soit morte. Non mais c'est pas comme ça. D'accord. Je veux qu'elle revienne. Ouais, si ça se trouve, il y a des super pouvoirs, hein. C'est peut-être Saint-Georges, on n'en sait rien, le mec. Hein. Mais si ça, c'était qui déjà Saint-Georges? Ça, c'est le pire. C'est beau, hein. Il y a de la poésie. C'est pas mal. Je me souviens du côté, je crois que c'est d'un côté guerrier que. Protecteur et tout. Refaut de tenue, châtiment. Chapitre 4, l'apprenti. Je crois qu'on a fait deux chapitres, hein. Enfin, on est au deuxième chapitre de cette soirée. C'est qui déjà Saint-Georges? Je vais lancer ça comme ça. Non, pas Senseiya.
S'il te plaît, Clavier, aide-moi. Saint-Georges est un saint totalement légendaire dont l'existence est mise. Ah oui, ouais, c'est ça. Je me disais bien. Est un martyr du 4e siècle selon l'Église. Est un martyr, ouais, selon la tradition de l'Église catholique des diverses églises orthodoxes. Enfin, Amicia, on n'ira plus jamais à la maison. Ta gueule. Il est le saint patron, entre autres, de la chevalerie chrétienne, du royaume de Grande-Bretagne depuis l'an 800, de la Géorgie et des armuries. C'est très précis. Par ailleurs, de nombreuses localités sont nommées d'après lui, c'est vrai. Selon la tradition chrétienne, il est cousin avec l'isapostole Saint Nino. Il est principalement représenté en chevalier qui terrasse un dragon et figure d'allégorie de la victoire de la foi chrétienne sur le démon. Ou plus largement du bien sur le mal. Mais oui, putain, la peinture, vous connaissez forcément. Attendez, dans ta gueule, toi. Désolé, je parle mon téléphone. Il y a une fresque qui est célèbre montrant Saint-Georges combattant le dragon. Attendez. C'est ultra célèbre, cette fresque. Enfin, cette peinture. Voilà. Je sais pas si vous verrez bien, je suis désolé d'avance. Voilà. C'est une phrase qui est relativement célèbre, montrant Saint-Georges combattant le dragon. Des fois, on dit que c'est Saint-Michel qui aurait mené le combat, ça dépend. Moi, j'ai connu cette phrase. J'ai connu cette... c'est une gravure, je crois, un truc comme ça. Une gravure, non? C'est une gravure ou une enluminure. Mais, voilà. La légende dit de Saint-Georges et le dragon décrit un saint qui apprivoise et tue. Alors, apprivoise, je sais pas, mais qui tue. Qui tue un dragon qui réclame des sacrifices humains. Le saint sauve ainsi la princesse choisie comme prochaine offrande. Il y a un côté un peu grec, hein, mais bon, voilà. Seul un bout de la légende se trouve dans l'ancienne hagiographie du Saint-Georges de Lydda, datant d'un. Le meurtre du dragon peut avoir été inspiré de la légende attachée à Saint-Théodore Tyron. Le plus ancien récit connu de l'épisode complet du dragon est un texte d'origine. C'est rien, il était introduit dans la région chrétienne. Il y a une peinture aussi qui est connue, attendez. Qui est plus célèbre, celle-là. C'est pour ça que je parlais de Saint-Michel avant. Qui est beaucoup plus célèbre. Alors, le dragon représente le mal, donc on représente aussi parfois le diable et tout, et tralala, hein, tout le truc. Peut-être que vous la connaissez un peu mieux, celle-là. Saint-Georges passe au dragon. Coucou, Yuki. Du coup... On parlait un peu de tout ce qui est peste, etc. Parce que du coup, le jeu est sur ça. Si tu ne sais pas, c'est un jeu français qui se passe à l'époque médiévale de je sais pas trop quand. Parce que le jeu, il m'a fait un fuck quand j'ai essayé de comprendre ce que ça se passait. Je sais pas quand est-ce que ça se passe. Je sais que c'est pendant une peste. Alors, autant vous dire qu'en fait, si vous demandez à un historien, je sais plus quand est-ce que ça se passe, mais l'histoire se passe pendant une peste. C'est compliqué. C'est compliqué. Ça se passe pendant une peste. Mais encore, c'est moi j'aurais tendance à dire ça pourrait être la peste de il y en a plusieurs, ça pourrait être mais le problème c'est qu'il y a des, je suis pas sûr, il y avait la peste Europe en 1740, en 1340 quelque chose, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça pourrait être celle-là parce que les équipements me semblent quand même vachement vieux, donc j'aurais un doute. Demandez à un historien. Mais je saurais pas vous dire exactement quand. Il y a eu beaucoup de pestes. Il y a peut-être aussi celle de 1083. Ah, t'es là depuis... Ah, désolé. J'avais pas vu parce qu'il n'y avait pas de commentaires. Je suis désolé. Parce que des fois ils affichent les commentaires à droite, des fois ils les affichent pas. Donc je disais, il y a celle de 93, mais même ça, il y aurait la peste justinienne, mais ça me semble un peu trop vieux. Ah mais non, je suis con moi. Je suis complètement con. C'est facile en fait. En fait, tu as deux éléments. C'est facile de savoir quand est-ce que ça se passe, parce qu'en fait, il y a la peste. Et il y a l'inquisition armée. Or,
si on veut mêler les deux, attendez. Désolé, le micro avait été coupé, c'est moi. Et du coup, désolé, du coup, j'avais pas vu, les commentaires, je suis désolé. Donc, comme je disais, 13e siècle, on a l'Inquisition armée. Donc là, on va faire un... un croisement, en fait, des dates, en fait. C'est pas compliqué. Si on a l'Inquisition, ça pourrait, pour moi, c'est la peste de 1340, c'est 1347-1348, ça pourrait être ça. En soi, ça peut être plausible. Après, je verrai pas sinon laquelle ça pourrait être. Je suis désolé, j'essaie de chercher dans ma tête, mais là, comme ça, il n'y a pas de peste particulière qui pourrait... Franchement, moi, je mise sur celle de 1347-1348. Donc, on doit être dans ces eaux-là, à peu près. Voilà, pour vous donner une idée. Vous croisez deux éléments. Il y a l'Inquisition qui a commencé, l'Inquisition militaire, armée, je crois que c'est, ça a commencé au XIIIe siècle. Parce qu'en fait, c'est là où ils ont dégagé les Templiers. C'est comme ça que j'ai le repère, moi. Au au XIVe siècle, ils dégagent les Templiers. C'était sous Philippe le Bel. XIVe, ils dégagent les Templiers. Et du coup, c'est l'Inquisition qui permet ça. Donc, dans ma tête, je me dis peste noire, Inquisition, c'est 1347-1348. Non. Alors, l'histoire tourne autour d'un frère et d'une sœur qui tentent de survivre à une peste qui est un peu étrange et surnaturelle. Peut-être, je sais pas. Très bizarre. J'ai peur qu'il nous trouve quand il va faire nuit. On sera à l'abri chez Laurentius. Genre, c'est des rats qui font. C'est des rats qui sont. C'est des rats possédés à ce stade. Hein. Là-haut. Un moulin, c'est la ferme de Laurentius. Nous sommes sauvés, j'espère. Un moulin décrépit. J'ai jamais vu un vrai moulin. Si on reste prudent. Ah, le gamin, il a 5 ans, il est resté. Bah oui, non, mais t'es déjà depuis tout à l'heure, je sais pas pourquoi, moi je raconte. Tu sais très bien. Depuis tout à l'heure. Le gamin, lui, il a découvert une église, il découvre un moulin. Amicia, regarde. C'est un de ceux qui ont attaqué la maison. L'Inquisition. Pourquoi il y a une justice? Ils sont là. Ouais, mais visiblement, ils ont subi une résistance. Enfin, ils ont fait face à une résistance. Comment ils font ça? C'est des animaux, bordel! Qu'est-ce que j'en sais, moi? J'ai l'air d'un rat, peut-être? Tout ce que je dis, c'est qu'on se débarrassera pas de ces nids avec de la chaux. L'important, c'est qu'on soit parti quand le soleil sera couché. La nuit, c'est leur territoire. Allez, on en est arrivé à un stade où des chevaliers en armure craignent des rats plus que... C'est fou, hein. Si des objets métalliques dans l'environnement, pour faire attention aux ennemis, maintenez rats pour sélectionner le projectile. Oh, mais j'ai pas de projection métal, moi. Oui, donc du coup, c'est ça, en fait. J'ai entendu quelque chose par là. Heureusement que heureusement qu'en France, les soldats étaient cons. Vous voyez, c'est une caisse d'armure, trop de balles. Le mec, c'est... cette caisse d'armure brille bien. Elle brille même très étrangement. Qu'est-ce qu'il se dit ça en sa tête, ça rien. C'est bon. Heureusement qu'il s'est... Amicia, regarde. Il y a un pont qui va vers la ferme. Vraiment, le moulin, genre, il est parfaitement placé. Il n'a rien, tout ça. Le grand inquisiteur devrait nous dire ce qu'il attend vraiment de nous. De trouver un gamin de 5 ans pour pouvoir sauver la France. J'ai pas compris. Il veut choper un gamin de 5 ans et ça va sauver la France. Bah là, à ce stade... Ouais, à part ça... Ce bruit, c'était quoi? C'est un chat. Ouais, c'est ça en fait. Faut engager une armée de chats. T'envoies le chat botter. Avec le deuxième barrage, plus personne ne passera. Ah, par contre, les rats, ça passe.
fait, c'est des CRS qui ont mal tourné. On a piégé. Il y a un trou dans le mur. Je passerai pas. Tu vas devoir y aller pour ouvrir la fenêtre. Mais ils vont me voir. Je vais les occuper. Fais-moi confiance. La show, à mon avis, je vois à peu près l'idée, mais quand même, c'est que je suis pas sûr que ça marche. Je suis sincèrement pas sûr que ça marche. Parce que c'est pas des rats normaux. Hein. Ça va attaquer là, non? Pas exactement ce que je voulais. Allez, j'y vais. C'est pas ce que je voulais, mais ça marche aussi. Bon, c'était rien. Direct, ça rigole pas. Direct, une gamine en palais là. On a piégé. Ça rigolait pas. Hein. Après, alors pour l'anecdote, on a souvent diabolisé l'Inquisition, mais en même temps l'Inquisition elle nous aide pas. Hein. L'Inquisition elle aide pas. L'Inquisition elle a été souvent diabolisée pour de multiples raisons. Tout simplement déjà parce que bon, les mecs foutaient des fois des femmes sur des bûchers parce que YOLO, je sais pas. Non, c'était très 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 spécial. Alors deux secondes, juste je vais ouvrir au chat parce que c'est pour ça qu'on m'a tapoté tout à l'heure. Donc je vais ouvrir quand même au chat. Ce qui ça se trouve, il peut combattre les rats, hein, on sait jamais. Hein. Peut-être trouver l'arme qui va sauver la France. Je reviens. Ouais. Ah, n'essayez pas de faire comme dans les films, de glisser, d'essayer d'aller sur votre canapé, ça marche pas. Ça ne marche pas. Donc, ah putain mon dos. Ah putain. Comment se niquer le dos en 3 étapes? Du coup, je vais trouver un autre jeu à tester la prochaine fois. Alors, on va continuer un peu, mais un autre jeu la prochaine fois, parce que du coup, The Suicide of... Il y a toujours un jeu de merde que j'achète. J'ai jamais compris. Ça fait mal. Le chat, t'as intérêt à m'aider après. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, l'Inquisition, elle a été diabolisée pendant un temps, mais en même temps, les mecs, ils aidaient pas trop. Hein. Grosso modo, si par exemple, t'étais dans la comment on appelait ça déjà, comment on appelait ça? Ceux qui prescrivent des plantes et tout, et qui sont à fond dans le délire des plantes, les plantes sauveront le monde et tout. Bref, si t'étais herboriste, t'étais niqué. Surtout si t'étais une femme. Alors là, c'était le combo parfait. Voilà. C'est l'Inquisition, vraiment. Je crois que c'est dans la liste des trucs des pires trucs que l'humanité a inventé. Genre, il y a le nazisme et il y a l'Inquisition. Il y a Poutine aussi. Je passerai pas. Tu vas devoir y aller pour ouvrir la fenêtre. Mais ils vont me voir. Tu vas devoir risquer ta vie pour moi, gamin. Fais-moi confiance. Au revoir, du Christ. Bizarre. On aurait dit une fronde.
C'est bizarre, on aurait dit une fronde. Comment t'as réussi à définir l'arme comme ça? Ah putain, comment il l'a dit? C'est bizarre, on tirait l'arme du personnage principal. Ça là-bas. Des intrus, par ici, vite. On est piégé. Ouais, moi je veux bien faire des efforts. Il y a un trou dans le mur. Pas. Je passerai pas. Tu vas devoir y aller pour ouvrir. Mais ils vont me voir. Je vais les occuper. Fais-moi confiance. T'inquiète, gamin. Fais confiance à grande sœur. J'ai une fronde. Ce bruit. Faut que j'aille voir ce que c'était. Fonce, gamin. J'y vais. Y'a moyen que t'ailles plus vite? Donc en fait, si vous lancez le caillou, restez bien en arrière. Rien à signaler. Sinon, lui avec son Spider-Sense. À moi maintenant. Il va capter. Pour refaire la même. Par contre, il a des bons réflexes, il me dit c'est la deuxième fois. Il a rien à dire, il a des bons réflexes. Il a des fois des bonnes remarques. Bravo, il faut qu'on parte, Amicia. Sans blague, Captain Obvious. Amicia, il faut qu'on parte. Non, j'avais pas remarqué, c'est bizarre. Toujours rien. Et rien du tout. Bon, elles sont tombées, les personnages principaux sont plus là. Il y a rien comme bruit. Oh non, ils ont fermé l'accès à la ferme. Dites au seigneur Nicolas que la route est fermée. Toute personne ou véhicule qui passerait par ici doit être arrêté et fouillé. On cherche qui exactement? Un gamin de 5 ans. La France est frappée d'une épidémie monstrueuse. Trouvez le gamin de 5 ans. C'est lui la clé. J'ai pas compris. Pourquoi vous cherchez un môme de 5 ans? Il y a des épidémies de rats qui menacent partout, tu sais. Je sais pas comment c'est dans la tête de l'évêque qui doit être là. Mon père, que faire pour lutter contre cette épidémie surnaturelle de rats toute ressortie d'un film d'horreur? Trouver un gosse de 5 ans, ça va nous sauver. De runes, cheveux marrons, les yeux bleus. Est-ce que tu parles de moi? Mais pourquoi? Non, il y a plusieurs Hugo de runes en fait. De les garde pour de les prendre vivants. C'est impératif. Le seigneur Nicolas tient ses ordres du grand inquisiteur lui-même. Alors, ouvrez l'œil. Ah putain, je me dis c'est pas mal ça. Chercher pour la série, je me disais un ennemi. Il y a moyen de retourner le truc de l'Inquisition. J'ai trouvé une idée, je la garde de côté. C'est gentil, ils ont pensé au mode photo, tu sais. Au cas où t'aimerais prendre des photos de vacances. Ils ont pensé à nous. Au cas où t'aimerais des photos de l'Inquisition. Combien vous pariez qu'il faut courir? Bon, on a pas le choix. Ils sont aveugles? Attention, il y a un garde. Oui. Sans blague, Sherlock. Hein? Bon. Ah, les Français, c'était pas trop simple. Bizarre.
bizarre. Je vois des enfants. Je vois des enfants qui n'existent pas. Sinon, on fait comment, nous? C'est quoi? Faut l'assommer? Moi, je suis chaud pour lui tirer dans la caboche, hein, mais faut que je sache. Sinon, les mecs qui étaient là-bas, ils ont des problèmes de vue. Ah bah là, c'est eux ou nous, hein. Au bout d'un moment, tu choisis ton camp. Et moi, je préfère vivre. Sans rancune, hein. C'est pas que je t'aime pas. Mais... L'objectif de ce jeu étant de survivre, pas de mourir. T'as pas trop eu de chance. T'es pas né du bon côté. Ouais, alors pour le gars, par contre. Repose en paix. Hein. Putain, c'est balèze quand même. C'est quand même comme balèze la menuiserie française. Hein. C'est... Regardez-moi ça. Très bien connecté. Ça, c'est un coup des rats. Tu sais, c'est genre, ça devait être la période où tu pouvais mentir et tout. Tu pouvais dire, mais comment ça se fait que votre table elle est pas droite? C'est la faute des rats. Oui, mais pourquoi est-ce qu'en fait il manque une chaise? C'est la faute des rats. Les rats, The New, on a des problèmes. On a eu des problèmes. Ouais, et je suis pas magicien moi. Hein. Genre ne parlez pas en fait. Ils ont des casques mais ils ont pas non plus, ils sont pas sourds complètement. Enfin ils sont en partie aveugles visiblement mais. Alors qu'est-ce qu'on peut améliorer? Les poches. Les tirailles. Ouais, pourquoi pas. Faire moins de bruit. Ça, ça va me simplifier la vie. Je sais pas en quoi une ceinture te permet de faire moins de bruit, mais on va dire qu'on va prendre ça. Et sinon, le moulin il est là-bas. Hein. Monsieur. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ils me cherchent? Tu c'est n'as rien fait. C'est un ce crime, sont eux, non. Les coupables. S'ils nous attrapent, est-ce qu'ils vont nous faire mal? Non, non, ils vont t'emmener ils à... Ils ne vont à pas nous attraper, d'accord? D'accord. Si les messieurs qui ont tué papa et maman nous attrapent, ils vont nous faire mal. Je sais qu'il a 5 ans, mais quand même. Ils ont l'air gentils, ils ont l'air de vouloir t'emmener dans un parc. Attraction. Hugo? Hugo? Tu es où? Oh, Hugo, ça me fait pas rire. Essaye Marco Polo. Début bon. Oh, y'a pas de soucis, t'inquiète pas, non, on va pas tarder à s'arrêter. Juste qu'en fait, là, moi, je joue... À la base, on devait s'arrêter un peu avant, mais je me disais... Un journal. Ouais. C'était un alchimiste. Ah, ça fait partie des trucs qui peuvent t'envoyer en prison. D'être un alchimiste. Ouais, passe une bonne soirée, du coup. C'est quoi ça, codex? Journal d'un alchimiste. Page du journal d'un penseur d'Orient et ami de Laurentius, où elle attend les ravages du fléau. Parce que c'est vrai que ça venait souvent d'Orient quand même, hein, et d'Asie aussi, les épidémies. Le grand mal est en effet apparu en Asie centrale, ben voilà, vous voyez? Où il décima les populations sur son passage et freina l'évolution de la société avant d'atteindre et de ravager l'Europe. Me demandez pas pourquoi, par contre, toutes les épidémies quasiment viennent d'Asie. Il doit y avoir un je sais pas moi, un mange-mort ou un alchimiste qui fait des expériences là-bas. J'ai jamais compris. C'est parce qu'avant même qu'on invente la virologie et l'étude des virus, etc., t'avais déjà des épidémies qui venaient d'Asie. Je sais pas. Il y a un truc au bout d'un moment. Je sais pas, il y a un Horcrux, je sais pas,
Il y a un mec qui fait des expériences, j'ai pas compris. On va essayer de retrouver Hugo et on s'arrêtera là. Ce jeu qui est très intéressant, comparé à The Suicide of Rachel machin, ce jeu est très intéressant. Hugo, si tu ne viens pas tout de suite, je te laisse ici. Je suis là. Je voulais gamin, juste jouer. Tu crois vraiment que c'est le moment? Ne refais plus jamais ça. Y a pas de garde, ça va. Pardon. Calmos. Même moi, je suis strict des fois, mais faut pas déconner. Oh bah tiens, en parlant des gardes. Il est passé loin. En fait, les saints sauvent des gens, mais dans les récits mythiques. Saint-Georges, on ne sait même pas s'il existait lui. Dans la théorie, ça marche. Dans la pratique, ça marche pas. Si vous voulez, s'il y a une épidémie, s'il y a un médecin qui vous dit de faire un truc et que d'un côté, il y a un prêtre qui vous dit « faites ça », suivez le médecin. Il y avait un truc très intéressant avec ça, justement, avec Hippocrate dans Odyssée, parce que ça fait partie des rares éléments intéressants du jeu. Sinon, le reste, c'est à jeter. Ce délire de le duel, ce duel en fait entre la science médicale et la foi. Soigner des gens en utilisant des serpents qui te mordent, c'est. Je crois que si on t'a coupé un bras, te faire mordre par un serpent ne le fera pas repousser. Hein. Ou ne te fera pas avoir moins mal. Donc, Hippocrate, c'est pas pour rien qu'il n'était pas très aimé dans certains temps, mais c'est quelqu'un de. Respectable. Pourquoi vous croyez qu'on a inventé le serment d'Hippocrate? Le mec, il a carrément le serment le plus important de l'ordre des médecins porte son nom. C'est qu'il y a une raison. C'est voilà, c'est quand un grand ordre de la médecine, du savoir, finit par donner ton nom à un. Comment on appellerait ça? À un serment sacré que tu es obligé de faire en fait. Engagez-vous, qu'il disait. Nous, on va s'arrêter là. Voilà, et la prochaine fois, on reprendra ici, c'est très bien. Franchement, l'histoire est prenante et assez intéressante, mine de rien. Je comprends un peu pourquoi j'ai des amis qui ont été très fans. J'aime bien l'héroïne. J'aime pas trop le gamin, mais en même temps, il découvre le monde, donc qu'il soit chiant, c'est normal. Voilà. Alors, graphiquement par contre, c'est pas ouf ça. Ça me rappelle un peu la PS2, c'est bizarre. Mais bon, on va pas chipoter, c'est qu'un décor parmi tant d'autres qui était juste là comme ça, voilà. C'est pas la mort. Passez donc une agréable soirée, faites attention à vous, reposez-vous bien. Ciao, bonne nuit.